Bonjour, c'est Ken. Alors, pour me présenter vite fait, je suis coach sportif et préparateur physique. Et l'objectif de ma chaîne, c'est montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi. Pour ça, je fais des vidéos sur l'utilisation des haltères, bancs, haltères, barres, les sangles de suspension et les élastiques. La majeure partie de mes vidéos sont surtout portées sur les accessoires petits comme les élastiques et les sangles de suspension. J'ai montré à maintes et maintes reprises tous les avantages qu'il y a avec les élastiques et les sangles de suspension. C'est d'ailleurs des accessoires que j'utilise dans tous mes entraînements, mes séances d'entraînement et dans le milieu professionnel, donc en coaching et en préparation physique avec des athlètes professionnels, des basketteurs. On utilise des élastiques. Je vais rebondir sur ça pour répondre à une question qui est courante. C'est peut-on vraiment progresser avec les élastiques? Alors, la réponse, avant de donner la réponse juste oui ou non, on va faire simple, on va essayer de comprendre comment on progresse en musculation. Pour progresser en musculation, c'est-à-dire prendre du muscle, on va chercher à forcer le muscle à réagir pour avoir une augmentation de prise de masse musculaire, en fait. Donc, l'alimentation qui va aller avec et l'augmentation de prise de masse musculaire, c'est-à-dire une augmentation progressive de la charge pour forcer le muscle à grossir. Donc, le plus connu, c'est avec les haltères. On va faire par exemple le développé couché, on va pousser au développé couché, on va chercher à mettre de plus en plus lourd, à faire de plus en plus de répétitions, jouer sur les temps de repos, faire un volume d'entraînement qui va obliger le muscle à réagir pour grossir. Petit à petit, on va augmenter ses charges, donc il y a une progression, on augmente les charges, on augmente la résistance et on va augmenter la prise de masse musculaire. Après, il n'y a pas forcément l'augmentation de la charge, il y a aussi la méthode d'entraînement qui va permettre d'augmenter cette prise de masse musculaire et c'est ce qu'on va appeler la progression. Bah, pour le muscle, lui, ce qu'il va chercher, c'est juste chercher à avoir, enfin, ce qu'on va chercher à faire sur le muscle, c'est augmenter l'intensité pour le forcer à réagir. Donc lui, que ce soit des haltères, un sac à dos, des élastiques, il s'en fout en fait, c'est juste une augmentation. Par exemple, vous êtes débutant, vous n'avez jamais fait de muscu, vous faites des pompes sur les genoux, c'est dur. Petit à petit, vous allez réussir à les faire sur les pieds. Petit à petit, vous allez réussir à faire les pieds sur un support. Vous allez augmenter cette résistance. D'accord? Donc là, il y aura une augmentation de force et une augmentation de prise de masse musculaire en général. Ok? Donc les élastiques, bah, ça va être pareil en fait. Les élastiques, on a différentes résistances. Donc selon les marques, c'est pas tous pareil. Moi, là, ici, c'est la marque Power Guidance. Donc là, le rouge, par exemple, c'est une résistance, c'est marqué 22 kg. Pour être franc avec vous, je prête pas trop attention à ça. C'est 22 kilos. J'ai d'autres marques. J'avais une autre marque à l'époque, c'était Body Elastic. C'était la plus forte. J'avais un élastique de 18 kilos. Je sais plus si c'était la plus forte, mais j'avais un élastique de 18 kilos. Et le 18 kilos, je le trouvais aussi dur que celui de 22 kilos. Donc voilà. En fait, ce qui est important, c'est juste 22 kilos, c'est mon élastique le plus gros. Après, j'ai un élastique moyen, un élastique un peu plus faible. Ok. Donc en termes de poids, ça va pas être aussi précis que les haltères. Les haltères, je vais rajouter 500 grammes et tout ça. Par contre, en termes de résistance, ça ne change rien. Je vais augmenter ma résistance, c'est de plus en plus dur. Là, vous voyez, j'ai mis trois élastiques. Trois élastiques, c'est plus dur qu'un élastique. Donc, quand je vais pousser ici, clairement, je vais avoir une augmentation de résistance. Plus j'en rajoute, j'en ai d'autres, hein, plus je vais rajouter des élastiques, plus ça va être dur. Donc, forcément, pour le muscle, ça va être de plus en plus dur. OK? Donc, plus je vais rajouter des élastiques, plus je vais rajouter de la résistance. Après, j'augmente la résistance, j'avance un petit peu plus je vais avancer, plus ça va être dur, je recule, c'est un peu moins dur. Donc, par contre, entre parenthèses, ne poussez pas l'élastique à leur maximum non plus, parce que vous risquez de les fragiliser, et là, il y a risque de déchirer l'élastique, et vous pouvez vous blesser. Donc, trouvez le juste milieu, allez assez loin, sans les amener à leur maximum. Donc, plus je vais augmenter la résistance, plus ça va impacter le muscle, d'accord? Je prends un exemple, ici, avec un élastique. Je veux partir par exemple sur les pompes, je fais des pompes au sol, puis je suis à l'aise, les pompes ça se passe bien. Je prends l'élastique ici, je le mets dans le dos, hop, là, et je vais faire mes pompes avec, d'accord? Je suis en pompe et je fais mes pompes avec l'élastique. Donc forcément, la difficulté va augmenter, j'aurai rajouté une résistance, donc le muscle il va progresser. L'autre avantage qu'il y a avec l'élastique, très gros avantage d'ailleurs, c'est que je vais reprendre cet exemple-là. Cet exercice-là, pour les pecs, alors celui-là, entre parenthèses, il est sur les pecs, le gainage, les cuisses, c'est un ensemble de groupes musculaires. Mais je vais revenir dessus après pour comment cibler vraiment les pecs, si vous ciblez les pecs, le dos, tout ça. Le choix de l'exercice est important. Là, je vais revenir dessus. Donc, on prend, ici, je suis loin, je cherche à cibler les pecs, ma posture est importante. Ok? Au début du mouvement,
là où l'articulation est la plus faible, c'est là où l'élastique est le moins fort. D'accord ? Plus je vais pousser, plus la résistance augmente, plus la tension sur l'élastique augmente, plus la tension musculaire va augmenter, bien sûr. C'est de plus en plus dur. Ok ? Et là, le gros avantage, c'est qu'en bas du mouvement, c'est à cet endroit-là où l'articulation, le tendon est le plus fragile. En bas du mouvement, c'est là où il y a le moins de tension. Okay. Donc plus je vais pousser, plus la résistance va augmenter. Moi, plus j'ai de force en plus. La même chose au développé couché. Développé couché, le mouvement est plus dur en bas du mouvement. Quand on commence à monter, après, c'est de plus en plus facile. D'accord ? D'ailleurs, vous prenez un exemple. Hein, si vous faites 80 kg, 80 kg complet comme ça ici, si vous vous arrêtez à mi-distance, c'est facile. D'accord ? C'est beaucoup plus facile. Donc là, l'avantage des élastiques, c'est que je peux me permettre de faire de bonnes amplitudes sans mettre en danger mon articulation, ça va protéger mes tendons, protéger mes articulations, et je peux vraiment pousser en force. Ok ? Le choix des exercices, c'est très important. Là, ici, j'ai pris un exercice que j'aime beaucoup, c'est un exercice qui est fonctionnel, que j'appelle fonctionnel. Son objectif, c'est pas juste cibler les pecs. Ici, il y a deux questions en fait qu'il faut que vous posiez quand vous faites les élastiques, c'est est-ce que vous cherchez juste à prendre de la masse musculaire ? Est-ce que vous cherchez à avoir une musculation athlétique, fonctionnelle, c'est-à-dire être fort, costaud, résistant, athlétique dans la vie de tous les jours ? Est-ce que vous voulez un mélange des deux ? C'est des vraies questions à vous poser. Celui-ci, cet exercice que je vais vous montrer là, il y a un travail de force sur les pecs, sur les bras, mais aussi un travail de posture. D'accord ? Les jambes vont être importantes, le gainage est important. Si je ne suis pas gainé, je vais tirer en arrière. Tout ça est important, c'est vraiment un exercice complet. Si je veux cibler que les pecs, je peux faire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'élastique dans le dos. D'accord ? Et puis les pompes. Là, les pompes, ok ? Sur les genoux sinon. Voire même avec plusieurs élastiques sur les genoux. Comme ça, la notion de gainage va moins m'embêter. Si je me mets sur les genoux en pompe avec plusieurs élastiques, j'ai moins de gainage, je me concentre moins sur le gainage, je me concentre plus sur les pecs. C'est intéressant, encore une fois, ça dépend de votre objectif. La plupart de mes vidéos, je mets toujours l'accent sur le gainage, parce que c'est très important, c'est vraiment important, mais si dans votre séance, vous voulez miser un peu plus sur une partie du corps, inhibez un peu le gainage et concentrez-vous plus sur les pecs. Donc par exemple, les pompes à genoux. Un autre exercice que j'aime beaucoup pour les pecs, c'est celui-ci. Donc là, avec tous mes élastiques mis en haut, donc là, il y a tous les élastiques, où là, mon objectif, c'est cibler la force, cibler vraiment les pecs. Je n'ai pas envie de me prendre la tête sur la position, mais ma stabilité, mon gainage, je veux vraiment cibler les pecs. Là, c'est un exercice où je veux vraiment cibler à 100% les pecs, pec droit, là, côté droit. Ok, je prends l'élastique, ici, je me mets à genoux, je mets de l'eau de main, je mets la main au sol, ici, et je cherchais à pousser l'élastique vers le sol, la main vers le sol, je reviens, je contrôle. Je pousse, je reviens. Ok, je reviens, je mets bien les deux mains. Donc en gros, pour que vous puissiez bien voir, le mouvement c'est ici, je laisse l'élastique monter, pas plus haut que ça, parce que sinon il y aura un conflit articulaire, je risque de me blesser. J'ouvre bien la poitrine et je pousse vers le bas. Ça me permet de me concentrer vraiment en force sur le pec côté droit. Il y a le gainage qui va travailler, les obliques vont travailler un peu. Mais c'est vraiment minime, je veux vraiment me concentrer à 100% sur les pecs. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai gagné en force au développé couché grâce à cet exercice-là. Pendant longtemps, j'ai pas touché un haltère. Ça m'arrive souvent, ça, les haltères, ça fait 20 à 30% de mes séances. Et dans l'année, ça m'arrive des fois pendant 6 mois pas y toucher. C'était il y a 2 ans, je crois que c'était 1 ou 2 ans. Pendant 10 mois, je crois que c'était 10 mois quasiment, j'ai pas touché un haltère. Je fais que des élastiques, j'étais revenu au développé couché, j'avais gagné en force. Et je faisais principalement cet exercice-là dans mon programme pour gagner en force. Donc cet exercice-là m'a vraiment aidé pour gagner en force. Donc, en plus, je réponds à une deuxième question. Donc oui, on peut vraiment gagner en force aussi avec les élastiques. C'est juste le choix des exercices que vous utilisez, la tension que vous mettez. Là, ici, je vais vraiment me concentrer à 100% sur la force pec droit, pec gauche. Ça permet d'équilibrer en plus côté droit, côté gauche, contrairement à la barre. Les haltères, c'est mieux justement pour équilibrer ça. Mais là, je peux vraiment me cibler côté droit, côté gauche. Pareil pour le dos. Je vais travailler le dos. Je prends d'un bras, deux bras. Ici, je m'assois par exemple. Là, je mets beaucoup de tension et je tire vers le bas. D'accord ? L'autre main, pour que vous puissiez voir, je baisse l'épaule, je tire. Je cherche bien à cibler le dos. Je descends, je reviens. D'accord ? Si je veux vraiment cibler en force. Si je mets avec les deux bras, j'ai plus de force. Si vous mettez trop d'élastique, le problème, c'est que vous allez faire des vraies tractions, vous allez vous décoller. Donc le fait de faire en unilatéral, je peux me concentrer à 100% sur le bras. Voilà, je peux mettre vraiment très lourd avant de me décoller. D'accord ? Donc les élastiques, oui, on peut progresser. Après, si on est un bodybuilder très confirmé, on lève 250 kg au squat,
enfin des charges de 200 kg, développé couché, enfin des charges vraiment monstrueuses. On va pas pouvoir utiliser les élastiques en accessoire de base, parce que le squat avec les élastiques, si je veux mettre l'équivalent de 250 kg, il va me falloir un paquet d'élastiques, c'est hyper inconfortable, c'est super désagréable, c'est pas possible en fait. Par contre, vous pouvez vraiment travailler efficacement tout l'exercice en mettant l'intensité, en jouant aussi sur le tempo. Donc voilà, je vais en profiter pour vous montrer le squat avec les élastiques. Ici, hop, bien les talons sur les élastiques. Je descends, je bloque les coudes ouverts, je sors la poitrine, le dos bien droit, je pousse sur les cuisses et je me redresse. D'accord? Hop, je vais me mettre de profil. Donc là, je suis bien calé, les coudes pas en avant, parce que sinon l'élastique va me tirer en avant. J'ouvre la poitrine, ici, je pars les fesses en arrière, je descends, hop, et je remonte. Ok? Les élastiques sont pas assez forts pour moi, je n'ai pas assez de tension, j'arrive pas à me cramer les cuisses, j'ai besoin de beaucoup plus d'élastiques, j'ai pas envie d'en mettre 50. C'est simple, vous pouvez soit tout simplement jouer avec les fentes, ici, d'accord? Pour rendre plus dur, soit, ou même les deux, sur la position que je vais vous proposer là, changer sur la tension, le tempo. Ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire, au lieu de le faire comme ça, là, bah, je vais le faire plus lentement. C'est-à-dire, je vais descendre, je bloque, je coupe l'élasticité, je maintiens un petit peu, je monte doucement. Ici, le fait de descendre doucement, monter doucement, puis varier les intensités, parce que vous ne pouvez pas faire que du lent, varier les intensités, mais le fait de faire lentement, on va beaucoup mieux recruter les groupes musculaires, on va beaucoup mieux ressentir, et ça va vraiment travailler. Ce qui est vraiment à comprendre, ce qui est vraiment important de comprendre quand on veut prendre du muscle, c'est que il faut augmenter l'intensité, oui, mais ce qui est important, c'est le temps sous tension aussi. D'accord? Le temps sous tension est très important. Ici, en jouant avec le tempo, vous allez augmenter votre temps sous tension. Je vais donner un exemple. Par exemple, au squat, vous faites 10 reps avec 100 kg. Voilà, vous êtes fort. Voilà, 10 reps, 100 kg. Bien, parfait, squat complet, tout ça. Et vous faites 10 reps en 40 secondes. Vous prenez ces mêmes 10 reps, vous mettez 80 kg, et vous faites 10 reps avec un tempo beaucoup plus lent. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire une répétition en 3-4 secondes, vous faites une répétition en 8 secondes à peu près. Vous descendez doucement, on bloque, on monte doucement. Le fait de bloquer en bas, en plus, ça coupe l'élasticité. D'accord? Donc, ça va être plus dur. Ben, vous allez voir que ces 80 kg, vous allez les trouver 2-3 fois plus dur que les 100 kg. D'accord? 2-3 fois plus dur, j'exagère, mais c'est vraiment beaucoup plus dur parce que la tension sous tension va être bien plus importante. Vous n'allez pas profiter de l'élasticité de votre muscle. Donc, tout va être plus dur. Donc, les élastiques vont permettre aussi de jouer sur le tempo. Et je reviens à ce que je disais au début, je ne prête pas trop attention à la résistance qu'il y a sur les élastiques, parce que si vous faites de la muscu avec halter, vous savez, vous allez voir que vous êtes pareil, on est tous pareil. Quand on fait par exemple le développé couché, on va être omnibulé par la charge. On est habitué à une charge, on ne veut pas mettre moins lourd, on est habitué à cette charge. On sait qu'en mettant moins lourd, en corrigeant la posture, souvent c'est mieux, mais c'est très très dur pour notre ego de faire ça. Là, avec les élastiques, je m'en fiche complètement parce que mon voisin, il va avoir des élastiques d'une autre marque. Ben, je ne veux pas me comparer parce que c'est une autre marque. Forcément, ce ne sera peut-être pas la même résistance. Surtout que je vais mettre 50 kg sur mes élastiques. Lui, il va peut-être en mettre 60 et peut-être que mes 50 sont plus durs que les siens. Les élastiques, ça, c'est bizarre selon les marques. Donc, je ne prête pas attention du tout à ça. Je prête juste attention à mes connexions, à la sensation musculaire. Je permets de mieux me cramer musculairement sans tricher. Par exemple, le squat, on peut faire 80 kg en faisant comme ça. Voilà, le mouvement n'était pas beau du tout. J'ai basculé en avant, mes talons sont légèrement décollés, il n'y a rien de propre, voilà, j'exagérais le mouvement. Or que si je fais un tempo propre, je descends doucement, je bloque, je remonte doucement, je serai à 100% sur les cuisses. Et donc, vous allez augmenter votre progression, que ce soit sur la prise de muscle ou sur la prise de force. D'accord? Donc, je vous remets dans la description, je vous mets quelques vidéos où j'avais fait des vidéos pour cibler les groupes musculaires, les 7 exercices pour les pecs, pour le dos, pour les cuisses. J'avais fait toute une chaîne comme ça, toute une série de vidéos pour vraiment cibler chaque groupe musculaire. Allez les voir si vous voulez cibler vraiment les groupes musculaires. Il y a l'exercice complet, bien sûr, parce que j'aime beaucoup l'exercice complet, comme je vous ai montré tout à l'heure, où on va chercher en plus le travail des cuisses, du gainage et tout ça. D'ailleurs, sur ma chaîne, je cherche surtout à amener des exercices plutôt pour devenir athlétique plutôt que bodybuilder. Je suis pas du tout dans le bodybuilding, moi, donc je cherche plutôt à être athlétique, c'est-à-dire prendre de la masse musculaire ou non, et de façon athlétique, être fonctionnel, c'est-à-dire être fort, être puissant, être gainé.
tout en étant en harmonie, d'accord? Je suis préparateur physique, comme je vous dis, comme je vous disais, moi j'ai besoin que mes athlètes soient forts, mais qu'ils soient vraiment, que puisse être, cette force puisse être transférable sur le terrain. Et c'est ce que je cherche à transmettre dans mes vidéos. Je cherche à faire en sorte que vous soyez fort, mais en meilleure santé, plus puissant dans votre vie de tous les jours. D'accord? Dans les mouvements, que vous puissiez faire les mouvements tous les jours en étant de plus en plus fort, c'est ça. Dans tous les cas, j'espère que vraiment cette vidéo a répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est un sujet vraiment que je veux vraiment mettre en avant. Ça fait longtemps que je me bats sur l'avantage des élastiques. Pendant longtemps, c'était critiqué les élastiques, c'était fait que pour la rééducation. Ça y est, on commence à s'ouvrir à ça. Ça fait très longtemps que moi j'en parle, les élastiques, c'est vraiment avantageux. Quand on commence à s'ouvrir, ça me fait plaisir. Les élastiques pourraient vraiment avoir de super, super avantages, super progression. Vous pouvez vraiment progresser. Dites-vous que c'est le programme qui va faire toute la différence. C'est comme avec Alter, c'est comme n'importe quoi. Ça va dépendre de votre programme, ça va dépendre de votre sérieux, ça dépend de la méthode d'entraînement que vous utilisez. Ok ? Si vous voulez un peu plus loin, si vous voulez savoir comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, j'ai fait une série de vidéos qui est offerte. Vous avez juste à rentrer votre mail en cliquant sur ce lien ici. Vous rentrez votre mail et je vous envoie tout ça par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !